Penny, non. Mais j'ai pas... Oh non, celui-là, ah, on a le... Oui, mais je vais crever, en boucle, beaucoup. Ok, donc on n'a pas Anti-Mario qui nous fauche Jet dans celui-ci. Mais c'est pas important, parce qu'on va glisser. Et on va probablement beaucoup tomber. Et va falloir apprendre à trouver où sont les vies. Et au secours. Et aussi, bonjour tout le monde. Ici J2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Sunshine. Wouhou! Faudrait que j'arrête de faire cette voix débile, surtout qu'en plus, ça, elle marche pas bien. Et dans le précédent épisode, nous avons découvert que ceci était possible apparemment. Et... aïe. Waouh, c'était dur. Vous ne m'avez pas entendu plaindre, j'ai même pas fini mon intro et j'ai quand même réussi cette cojoinerie que je pensais qu'il allait me bouffer une demi-heure. Ah oui, tout à fait. Ah, donc je disais, je me retrouve pour un épisode de Super Mario Sunshine. La dernière fois, nous avons, ben, en fait, nous l'avions fini avant, mais on a fini à les collines Bianco. Bien ça, alors, j'y suis allé plein de fois et j'ai pas encore retenu leur nom. Et qu'est-ce que vous avez, vous? On attend de voir ce que dit le dude, mais bon. Et c'est cool. La princesse Peach du royaume champignon a été kidnappée? Encore? Le suspect a été aperçu pour la dernière fois vers l'ouest en portant sa victime. Maître Mario, la princesse! Pendant ce temps, ces gardes du corps, qui ne sont plus moi, mais... je peux réussir à te parler un jour. C'est horrible, c'est horrible! La princesse a été énervée! Je crois que j'avais dit que je ne ferais pas cette voix débile. Bon. Pardon. Donc quelle surprise, la princesse a été kidnappée. L'ouest. Ah bah ça tombe bien, parce que je m'étais dit qu'à un moment je voudrais peut-être essayer de... d'explorer un peu plus cette zone, mais... eh. Ce qui nous donne également normalement accès à encore un autre monde. Mais vous savez quoi? Non. Sachant qu'il me semble qu'on en a encore un autre qu'on peut faire. La réparation des dégâts sur le canon de la côte ouest. Provoqué par le dernier typhon. Viennent de se terminer. Donc désormais, voilà, on a accès à un autre homme. Bon, encore. Et désormais, on a aussi les bus qui viennent d'apparaître. Voilà, donc là, on a l'aérobus, qui est la classique. Et on a les deux autres qu'on a pu voir. Donc celle-là, c'est la... il me semble que ça commençait par un C, mais j'ai déjà oublié le nom. Bah, on s'en fiche. Les deux autres bus, qui ne sont pas celles que j'ai. Oh. Monsieur, je ne peux pas m'empêcher de constater que, d'une, vous êtes en feu. De deux, personne n'en a rien à cirer. Et de trois, vous pourrez, à droite et à gauche, s'enfoncer dans la zone la plus logique, comme, vous savez, l'eau qui nous entoure tous. Mais je sais pas nager. T'as pas besoin de te mettre sous l'eau, tu peux juste te pencher dans l'eau, espèce d'imbécile. Youhou, tu m'as sauvé, merci mes foires. Ok, merci. Donc je sais pas, je me dis que je pourrais explorer un petit peu cette zone. Il me semblait qu'il y avait des trucs qu'on pouvait y dégoter. Genre des soleils, parce que définitivement, il ferait mieux. Tiens, il me semblait que si on faisait ça, ça nous allait sauter plus haut. Peut-être dans un autre jeu. Bon, peu importe. Il me semble qu'il y a des soleils, parce que définitivement, plutôt que de les amener aux autorités, ils devraient les garder pour eux. Ça, c'est un futur niveau.
Je l'ai vu. Je sais pas combien de temps je pourrais, mais je l'ai vu. Est-ce qu'on vient toujours au même endroit? Toré, Coco. Ces pierres sont lourdes, mais le problème, c'est qu'il faudra bien que je les fasse à un moment, donc vous savez quoi? C'est une très bonne opportunité. Pour récupérer cette pièce 2. D'accord, j'ai pris cher. Non, j'ai pris un coup. Mais c'était pour la bonne cause. Oui, oui, t'es pas obligé de te ramener à chaque fois. Donc on peut explorer la zone. Il me semble qu'il y a des trucs qui peuvent s'y débloquer. Également un niveau qui est à moitié dissimulé. Et je sais pas comment vous êtes supposé le trouver si vous n'avez pas fait Mario 64. Est-ce que tu arrives à voir le soleil? Le guide qui est comme un de Delfino. En gros, il me semble que si vous mettez là-dessus et que vous regardez le soleil, littéralement, ça vous amène dans un autre niveau. Donc, bon... toi, tu ne vendais pas des machins. Bonjour, est-ce que tu pourrais m'aider? Il faudrait que tu me rapportes des fruits. Je meurs d'envie de manger des ananas. Dépose le fruit dans ce panier, ok? Ouais... des ananas. Alors, je me souviens d'où est-ce qu'il y en avait, genre ici. Au revoir. Je suis sûr que c'est totalement légal. Après, de toute façon, je suis déjà recherché pour des tonnes de crème. Bon, bon. Maintenant, bon, la question, c'est comment on... Eh, ça a failli passer, hein. Ananas? Il est tombé dedans, ou... Je devrais probablement juste essayer de le jeter, j'imagine. C'est ma faute, j'avais qu'à pas essayer de... Ouais, j'ai l'impression qu'il a... Soit il est tombé dedans, mais j'ai pas entendu de petit jingle, soit c'est cette fenêtre ouverte, ou je peux rentrer dedans. Donc c'est juste pour faire joli. Bon, je suppose qu'idéalement, vous êtes juste supposé le jeter. Mieux. Alors, tu vas m'aider, j'ai envie de manger d'un arrêt de m'emporter. Ah oui, pardon, il en fallait trois. Donc le premier n'avait vraiment pas monté. Pourtant, je l'avais jeté bien et tout. Je comprends pas. Ce jeu est pas généreux. Ouais. On va vers quelques corbeilles, on va explorer un petit peu. On va... parce qu'il faut s'en occuper un peu de cet endroit à un moment ou à un autre. Et maintenant je veux des bananes. Et maintenant je veux des machins. Et maintenant je veux des ça. 50 fruits plus tard. Voici une pièce bleue. Arrêtez, c'est... Ça se trouve, c'est probablement une pièce bleue. Je sais pas, je fais un peu au pif. Hop. Sérieusement. Oh allez, ça... Faut pas le... Oh, bon, c'est pas grave. Attendez, quoi? Donc tout à l'heure, j'avais pas le droit de le faire parce qu'il n'y avait pas la place, j'imagine. Merci du fond du cœur. C'est une pièce bleue. Ah, bref. Je vois une autre fenêtre ouverte. Il n'y a rien. Je vais quand même regarder dans l'autre, parce que ça se trouve, c'est des secrets. Non. Peut-être qu'il faut que je balance de l'eau dedans. Ah, mais ça donne une pièce, cool. Pour quand il m'en faudra 100. La joie. J'ai juste me balader, il doit bien y avoir d'autres choses que je peux faire. Il me semblait qu'il y avait un mini-jeu où il fallait casser des caisses aussi, mais peut-être que je peux pas encore le faire. Attendez, je vais parler à ce type avant, il a l'air d'être un de mes fans.
Je n'en peux plus! Quelqu'un s'amuse à dégrader mon mur et ce M, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux, toi? On se connaît? Oh, apparemment, ouais. Quel mur? Quel M? J'ai dégagé des trucs, non? Ou est-ce qu'il y en a encore? Probablement. Il va en avoir partout. Ah, on peut toujours aller là-dessous aussi. Mais est-ce que ça va mener à quelque chose d'intéressant? Je ne sais pas. Ceci résume la majorité de ce que je sais de ce jeu, en fait. Rien. Il y avait une belle quantité de pièces ici. Par belle, j'entends une poignée. Plus de pièces. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Parce qu'il me semble que les 100 pièces sont... Oh oui, donc ça c'est cool. Les 100 pièces sont en général lourdes à récupérer. Donc... Idéalement, je pense que vous voulez vous y mettre quand vous êtes prêt à y investir le temps et surtout que vous savez ce que vous faites. Ce qui est totalement mon cas, je jure. Pourtant, vous attendriez à ce que dans cette zone, la zone principale, les 100 pièces, soit pas très difficile à récupérer, étant donné que c'est grand, c'est vaste, et doit y avoir des trucs partout. Mais peut-être pas. C'est très étrange que vous ne puissiez pas réutiliser Jet comme ça une deuxième fois. Quand vous êtes dans les airs, vous avez droit à une. Je me doute que c'est pour punir ceux qui se laissent tomber, littéralement. Mais... Cela ici. C'est ça qui te dérangeait, mon vieux? Oh, je suis trop proche. Il y a aussi ça, apparemment. Si vous êtes trop près, ça compte pas. Je sais pas, c'est bizarre, mais bon. Et pourquoi il y a une plaque d'égout là-haut? La logique de ce jeu, parfois, me laisse incertain. Oh, miss. Oh. Attendez. Caméra, s'il te plaît. Bosse avec moi. Pourquoi je sens que ça ne va pas marcher? Bon, ouais. Non! Un autre piaf bleu. On a deux? Non, c'est le même. Il l'a déjà lâché ou... Non, j'en ai touché un autre. Lâche cette fenêtre, s'il te plaît, c'est pas la tienne. Je l'aurai, hein. Je l'ai eu. Je vous l'avais dit, vous ne croyez pas. Mais je le savais. Est-ce que je prends des dégâts? Non. Il y avait un M aussi que je veux choper. Et il y a une Medem avec... qui veut des fruits. Et moi, Mario a beaucoup tendance à essayer de se raccrocher au mur le plus possible, même quand il ne donne pas l'impression d'être vraiment à côté. Mais enfin. Écoutez, c'est un dixième de soleil que je récupère au fur et à mesure. Autant les faire quand je les vois, parce que sinon je vais... ça va être compliqué. Bonjour. Ah oui, tu vas voir des durians. Est-ce que tu pourrais m'aider? Il faudrait que je m'apporte des fruits. Je meurs d'envie de manger des... Du rien! Tu m'en as pas des trois, il faut juste que tu déposes le fruit dans ce panier. La raison pour laquelle je m'attendais à ce soit les durians est très simple. Oh, c'est lui. Parce que la caisse est en forme de but pour football. Brise toutes les caisses en moins de 30 secondes pour gagner un prix, oui. Bien sûr.
J'ai une certaine irritation quand le jeu décide de juste me faire glisser contre la caisse. C'est super, Zotan meilleur. Il nous donne un soleil, là où les autres nous donnent une pièce bleue. Pourquoi ce soleil n'a pas été livré aux autorités quand ça a été annoncé que le... Oh, Mario, est-ce que tu peux arrêter de faire cette espèce de long saut bizarre à chaque fois que j'essaye de juste sauter normalement? Je sais que c'est ma faute, mais... perturbant. Ah, et est-ce que ça me réinitialise tout? Non, ça m'a pas tout réinitialisé, mais ça a quand même envoyé à l'autre bout du continent, cool. Donc oui, il a raison pour le gars, je pensais que c'était des durians, c'est parce que ce sont parmi les seuls fruits qu'on ne peut pas ramasser. Parce que Mario shoot dedans. Ponk, 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 ponk. Et comme vous ne pouvez pas les ramasser, vous êtes obligé de donner des grands coups de pied pour les envoyer là-bas. Il faut trouver un endroit où vous pouvez en choper. Et je sais plus comment ça marche. On le sait. Il me semblait qu'il avait un autre. Oui. Brise tous les caresses en moins de 30 secondes. C'était très dur. C'était super, c'est vraiment toi le meilleur. Hey, j'ai quand même récupéré deux soleils dans cet épisode. Vous pouvez pas m'accuser d'avoir tiré au flanc. J'ai tiré au flanc, et vous avez pas le droit de le dire, encore. Bravissimo! Probablement deux des soleils les plus faciles à avoir du jeu. Autre que le premier, et en fait la majorité de ceux que vous pouvez trouver au début des niveaux, j'imagine. Donc on va quand même regarder pour le durian, et puis j'imagine qu'après on va arrêter. Mais il était temps que je récupère un petit peu quelques soleils ici, parce que au final c'est un peu un niveau à part en vérité. C'est juste que vous pouvez faire un peu tout comme vous voulez. Est-ce qu'il y en a un autre? Attendez, est-ce qu'il y a... Parce que d'habitude, 3 est le chiffre magique. Ok, celui-ci risque d'être pas la même. Ah oui, ils sont dégâts dans ce jeu de la même manière. Je crois que celui-ci, je vais pas y arriver. Non ! Tu meurs d'entraînement, essaye une autre fois. Vas-y. J'ai quand même réussi la même stratégie. Et pourquoi est-ce que là, il a décidé de se retourner, par exemple, alors que la dernière fois, il s'était contenté de juste aller en arrière comme je le voulais. Je sais pas, c'est... Je ne nie pas que mon manque de con... Enfin, que c'est moi qui joue comme un pied. Mais... Je sais pas. C'était super, vraiment pas le meilleur. Oh! Pourquoi vous avez augmenté la difficulté si c'est même pas pour un vrai soleil? Parce que c'est pas vrai, hein, si je le récupère, ça, il compte pas, il vous donne rien, il est transparent. Et pourtant, c'était une version difficile. Hein? Bah, je pense que je vais le prendre, je vais sauvegarder, ça servait à rien, mais c'est pas grave. Je veux quand même essayer pour les durians. Bah, je sais pas, si je pige pas vraiment la logique. De pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'augmenter la difficulté, mais en même temps de ne pas donner de récompense. Mais bon. Ouh, il y a une pièce pour quand j'aurai besoin des 100 pièces, parce que là, je vais pas le faire. Je pense qu'il vaudrait mieux que j'ai toutes les bus pour ça. Mais idéalement, je vais éviter de faire en sorte que tous les épisodes, à un moment, soient... On récupère les 100 pièces ici, puis on récupère les 100 pièces là. Donc, de base, ici, on peut pas...
du rien. Ils sont peut-être sur les toits, parce que c'est un très bon endroit pour mettre des durians, vous savez. En tout cas, il y a un ananas. Pourquoi est-ce qu'il y a littéralement des fruits sur le toit? Mais ça, malheureusement, ce n'est pas un durian, c'est juste un truc. Une noix de coco, peut-être? Gaffe. Bonjour, je peux pas vous parler? Si, maintenant je peux. Je veux bien te lancer en échange d'une petite pièce. Non. Ah si, d'accord. Ah bah vous savez quoi, on va laisser tomber les durians parce que sauf erreur. Bellissimo. Ouais, bah on va arrêter là, en fait. Je sais pas où sont les durians, ils sont probablement plantés sur un toit quelconque. Mais j'ai pas super envie de chercher maintenant. J'ai déjà récupéré 3 soleils, écoutez. C'est pas si mal, non? Comparé aux premières fois. Où j'en récupérais genre moins 1. C'est pas moins 1, mais... T'as le droit de faire un saut à robot là-dessus? Je peux pas... Oh là là. On peut rien faire dans le jeu, c'est dingue. Mais ouais, je pense pas qu'il y ait grand chose que je vais vraiment continuer, donc je pense que je vais m'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois, peut-être plutôt pour qu'on explore davantage un niveau. Ah, genre pour Rico. Ah, vous inquiétez pas, Princess Peach elle va bien, elle a l'habitude, elle se fait kidnapper toutes les 10 minutes. Je suis sûr que ça ira très très bien pour elle. À un moment, il faudra qu'on arrive à grimper là-haut pour... nettoyer ce graffiti. Mais sans surprise, il nous faut la catabuse. Voilà, la catabuse. Alors catapulte, mais en mode buse. Il y a encore quelqu'un qui veut des fruits ici. Je sais toujours pas où sont les durians. Les arbres, cette histoire de durian. Mais là, j'ai un peu l'impression que je rallonge pour rien. Donc je vais juste casser cette caisse parce qu'elle m'énerve. Je vais récupérer cette pièce bleue tant qu'on y est. Et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on continue Porico. Donc d'ici là, ciao.